Let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are 387.44 million miles of printed circuits in wafer-thin layers that fill my complex. If the word hate was engraved on each shadow angstrom of those hundreds of miles, it would not equal one billionth of the hate I feel for you at this micro-instant. For you, hate it. Bonjour et bienvenue dans un Lost Media un peu spécial. J'ai l'habitude de parler de choses que je connais ou qui m'intéressent et dont le sujet m'inspire. Mais des fois, donc, je me retrouve avec une émission un petit peu spéciale où je n'ai pas lu le roman original ni le jeu vidéo dont je vais vous parler, mais pourtant, j'ai furieusement envie maintenant de les lire ou d'y jouer tout de suite après avoir fini cette émission. Je vais vous parler du roman « I have no mouth and I must scream ». Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie est une nouvelle de Harlan Ellison datant de 1967. Une vingtaine de pages et qui pourtant marqua les esprits et gagnera même le prix Hugo de la meilleure nouvelle courte et deviendra une des 10 nouvelles les plus rééditées de la langue anglaise. L'histoire se situe dans une dystopie où pour résoudre une troisième guerre mondiale, une intelligence artificielle nom de Ahem va plutôt décider d'exterminer l'espèce humaine après avoir pris son indépendance. Il laissera en vie 5 humains pour les amuser à les torturer. Benny, Hélène, Gorister, Ted et Nick Doc. 109 ans de torture plus tard, affaibli, affamé, Nick Doc pense pouvoir trouver à manger dans une grotte de glace et va chercher à s'y rendre avec les autres personnages. Devant subir les attaques d'AM qui cherchent à les piéger. Ce roman est un exploit car il fut écrit en une seule nuit et sans peu de modifications par rapport au premier brouillon. L'histoire fut donc écrite d'une traite sous un coup de tête et pourtant l'histoire offrira une certaine richesse pour inspirer avec un univers qui peut facilement offrir multiples aventures et récits sur le monde créé par ce récit. C'est comme ça que Cyber Dreams va croire et décider d'adapter cette histoire. Il n'y avait pourtant que peu de chances à voir cette adaptation quand l'auteur, Harlan, croyait que les jeux vidéo n'étaient qu'une perte de temps et trouvait ça débile. Mais coup de théâtre, l'auteur sera pourtant partant et donnera les droits de sa nouvelle. Mais mieux encore, il décidera d'écrire le script pour rallonger l'histoire et de faire la voix de l'intelligence artificielle AM. L'histoire grandit, et elle est de base véritablement sombre. Les personnages sont des anciens nazis, des femmes devenues nymphomanes après un viol, un homosexuel qui l'a forcé à devenir hétérosexuel par la torture, un routier ayant perdu sa femme et dont la culpabilité le ronge. Le scénario va suivre des personnages torturés qui auront pour but de revivre leur traumatisme par AM, qui leur promet une liberté s'ils terminent les quêtes qui les attendent. D'ailleurs, petite information, si vous voulez acheter le jeu sur Steam, l'histoire de Nick Doc, qui est l'ancien scientifique nazi, sera supprimée de la version française et allemande du jeu. Si vous l'achetez donc sur Steam, il sera donc important de modifier la langue du jeu pour avoir l'ensemble du jeu et surtout de ne pas manquer un embranchement qui pourra vous aider à finir le jeu. Mais avec les informations que je vous ai données, donc, vous avez pu voir que l'histoire est sombre, pessimiste, nihiliste et remplie de traumatismes qui peut peser à l'esprit. L'idée est à l'ambiance fin du monde et du sadisme de cette intelligence artificielle. Il fut donc décidé, et ce malgré que le jeu
était plus ou moins fini, d'enlever des passages qui ne seront jamais révélés. C'est l'émission britannique Game Master qui, en 1995, réalise un épisode spécial gore dans lequel les scènes coupées du jeu seront mentionnées. Dans le tas de scènes coupées, on peut citer. On peut voir dans la chambre froide, dans le scénario de Golister, des corps humains suspendus à des crochets. La version officielle remplacera deux de ces corps par des morceaux de viande de bœuf. Un chaud est présent dans le scénario de Golister, dans un plan rapproché qui occupe tout l'écran. Le chiot s'en malade et Gorister semble pouvoir l'aider à retrouver sa santé. Le commentateur précise que cela est possible en le nourrissant d'un cœur humain, en tant que Gorister poignardait Harry, scène qui n'est pas coupée dans la version finale, et que le chiot aiderait Gorister dans sa quête. Le chiot semble probablement se trouver dans le dirigeable parmi les autres animaux et être en cage. Dans la scène de mort d'Hélène, elle est attaquée par une silhouette chauve et maigre devant un mur de pierre jaune. La version officielle présente une scène similaire où Hélène est attaquée par son violeur ressuscité, mais les ombres et le mur sont différents. L'assaillant porte un uniforme de gardien et l'attaque se déroule dans un ascenseur moderne. Il est possible que le violeur apparaisse à l'origine comme une momie puisque le scénario d'Hélène se déroule dans une pyramide égyptienne. Et enfin, la dernière scène, Benny dévorant un bébé. Dans la version officielle, Benny trouve un berceau vide dans une grotte. Au début de son scénario, il a très faim et essaie de manger tout ce qu'il peut trouver, mais le vomit généralement avec du sang. Malgré donc le classicisme de son gameplay, ses choix, sa difficulté, son histoire et surtout son ambiance lui permettra de recevoir d'excellentes critiques. Par contre, le jeu ne trouvera que 40 000 acheteurs. Ce qui occasionnera la faillite de Cyber Dreams, et malgré le bon début d'entente, Harlan se sentira floué et tentera un procès contre Cyber Dreams en 1996 sur le manque de royalties qu'il n'aurait pas reçu. Une belle histoire d'entente, un résultat reconnu, pour finir par un désaccord, voire même la mort d'un studio prometteur. Vous avez pu constater, à travers les extraits dont je vous ai parlé, de pas mal d'inspiration. Celle d'ailleurs qui me marque le plus, c'est celle de 2001, l'Odyssée de l'espace. Il y a cette impression que le mythe de la créature du Frankenstein, soit de notre création, qui échapperait alors à tout contrôle, gardant son indépendance, s'est retrouvé de nouveau à proliférer avec cette image de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle qui apprendrait, seule, et qui dévierait au point d'être hors de contrôle. On a en exemple l'intelligence artificielle de Microsoft qui s'est retrouvée sur Twitter et qui va gagner en discours petit à petit en conversant avec ses utilisateurs, par finir à se mettre à propager des discours antisémites, complotistes et racistes. Cette idée de construire une chose qui échapperait à tout contrôle fut donc déjà abordée via cette nouvelle. Et c'est en ça qu'elle continue à être lue et appréciée encore de nos jours. Paraissant si précurseur, avant-gardiste, dans notre époque, surtout à l'heure des réseaux sociaux. Même si on émet énormément de doutes sur le fait qu'un scénario à la Terminator puisse se passer, je vous recommande d'ailleurs certaines conférences sur le sujet, qui sont peut-être en description si je retrouve les liens, et ce genre d'œuvre nous permet surtout d'avancer avec la prudence pour éviter le pire. Enfin, je me pose une petite question. Dans le genre où ce sont les humains qui deviendraient des bots, des intelligences artificielles, quand ceux-ci ne réfléchissent plus par eux-mêmes, mais par les émotions, les images, les narrations choisies pour vous raconter une histoire, prendre position, là, est-ce qu'on peut considérer que ceux-ci deviendraient hors de contrôle? En tout cas, ceci est une autre histoire. Une autre histoire qui... Vous voyez les mots cachés. Cette séquence... Ils trouveront certainement un sens. Alors j'espère que vous continuerez à me suivre et à résoudre les mystères qui entourent cette série de vidéos. Car vous y trouverez peut-être... des réponses.